Hello les amis, alors j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours autant d'appétit. Mon envie du jour, c'est des pains américains bouchons gratinés. Donc vous avez besoin de pains pré-cuits que vous pouvez trouver en grande surface. Donc des bouchons, pour moi c'est des bouchons poulet combava. La sauce, vous mettez ce que vous voulez. Moi c'est de la mayo, ketchup, un peu de piment pour pimenter tout ça. Ensuite, prenez du fromage râpé et faites cuire vos frites avant la recette. Du coup, là, donc je vais couper mes bouchons en deux, mais sinon vous pouvez les laisser comme ça, en entier. Alors maintenant on va garnir donc nos pains. Du coup là je vais le couper au milieu, je vais tous faire pareil, donc je vais vous laisser suivre la démarche de la garniture. Alors là du coup je vais délicatement parce que les pains pré-cuits ont tendance à se casser super vite. Du coup là j'y vais vraiment avec délicatesse hein, pour pas avoir des pains coupés par 3 ou par 5. Bref, on se comprend. Alors moi je mélange donc les sauces ensemble, mais sinon vous pouvez mettre individuellement. Du coup moi je fais 3 en 1, comme ça c'est vite fait bien fait. Alors je mets en premier la sauce, donc j'en mets pas beaucoup, je mets juste un petit peu parce qu'après je vais mettre une autre couche de sauce au-dessus des frites. Ensuite, je mets des bouchons. Voilà, on y va à sa guise. Donc, je les ai coupés en deux pour avoir plus de bouchons. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre les frites donc au-dessus. Je vais mettre une autre petite couche de sauce sur les frites avant de mettre donc le fromage au-dessus. Après, si vous aimez beaucoup de sauce, vous y allez. C'est selon les goûts, les envies, les tendances. On s'est compris. Voilà, donc on met le fromage. Par contre, le fromage, faut pas être radin. Un bon pain américain bouchon, c'est avec beaucoup de fromage, c'est la base. Donc on y va, enfin en tout cas moi j'y vais. Après, si vous voulez garder la ligne, ça va être compliqué. Donc petite parenthèse, moi je ne mets pas de gants dans ma cuisine, je cuisine pour moi, mes mains sont propres, donc j'ai pas à mettre des gants noirs ou des gants blancs parce que je fais de la cuisine. Quand vous allez au restaurant, sachez que les chefs ne mettent pas de gants derrière. Bref, continuons. Du coup là j'ai pris donc ma plaque du four, j'ai mis un papier cuisson et je pose mon sandwich au dessus et je vais continuer donc le processus avec les autres.
Donc voilà, on va mettre donc nos pains américains bouchons au four à 180 degrés à surveiller entre 15 et 20 minutes, le temps d'avoir juste une belle couleur. Et voilà, nos pains américains bouchons gratinés, donc tout prêt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à partager aussi la page les amis. Et surtout, abonnez-vous pour qu'on soit encore plus nombreux. Bonne dégustation, rendez-vous à la prochaine vidéo.